Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. Mako Koulikoro, les étudiants des Hyper IFRA de Katibougou ont organisé une marche pacifique pour protester contre la mort d'un étudiant en circulation sur la route de Moribabougou. L'hivernage 2024 est marqué par des fortes pluies, causant plusieurs inondations. Cela entrave des activités de plusieurs personnes, notamment des femmes, qu'elles soient commerçantes, fonctionnaires ou encore paysannes. En dehors de nos frontières, Burkina Faso, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que la protestation contre la France est due au néocolonialisme continué par la France, pays africain, lors d'une présentation par un nouveau ambassadeur burkinabé, Azerbaïdjan. Nigeria, le peuple demande lors d'une manifestation une réduction de vie chère et l'augmentation des salaires et invite le président Ahmed Bola Tinubu à s'éloigner de l'Occident. Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko a précisé que le Sénégal va rester dans la CEDEAO et invite les autres pays à rester dans l'instance régionale, notamment l'AES. Le Niger a rompu la relation diplomatique avec l'Ukraine après le Mali. Selon Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ceci met fin à ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et à la prochaine. Besoin des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yele Électronique est à votre disposition. Yele Électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des ampoules, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée.